Les gars, on se retrouve aujourd'hui sur un jeu où il faut réussir à retirer une épée qui est coincée dans un rocher pour devenir le roi. Mais nous n'aurions jamais dû la retirer, car ce jeu est bien plus sombre qu'il n'y paraît. Puisque figurez-vous que ce jeu a été créé par le même développeur que le jeu de la semaine dernière, Pineapple on Pizza. Je vous laisse imaginer la suite. Avant de démarrer la vidéo, je te rappelle que lundi à 17h, c'est le grand retour des lives sur ma chaîne Twitch. Alors si tu veux pas rater ça, je te mets le lien dans la description. Bon visionnage. Ah donc je dois vraiment juste tirer l'épée. Comment je fais ? Ok les gars, je suis en train de la tirer. Mais comment je fais? Les gars, elle bouge pas l'épée? C'est une blague? Oula, attendez, il faut une technique. Aussi? Elle a bougé? Est-ce qu'elle bouge ou pas là pour vous? Les gars, elle bouge pas là. Oh, ça sort! Elle sort, elle sort! Les gars, elle sort! Si! Bah attends, mais je comprends rien au jeu. Les gars, il va se passer quoi après? Je veux juste être couronné roi. Allez, les gars, j'ai la force! Des flammes dans le chat là, faut me donner de la force. Mais les gars, je vais mettre combien de temps à la retirer l'épée? Les gars, elle fait combien de kilomètres l'épée là? Oh my god. One eternity later. Ok l'épée, on y va. Here we go. Les gars, mais imaginez. La musique elle change. Ok. Attends, mais c'est une dinguerie là. Les gars, rassurez-moi, elle va pas jusqu'au ciel l'épée. Non, l'épée ne va pas jusqu'au ciel. Les gars, vous savez que si j'arrête de cliquer, l'épée elle redescend. D'accord. Donc là, faut que je reste appuyé. Faut pas que je perde l'équilibre. Oh les gars, c'est un jeu qui va tester notre patience. Je vais péter un plomb. Les gars, est-ce que je peux lâcher ou pas? Non! Non, c'est pas grave, j'ai fait exprès. C'était pour l'entertainment. C'est fait exprès, ne vous inquiétez pas. Les gars, là, je suis indétrônable. On va devenir le roi, d'accord? Je vous rappelle que l'objectif est de devenir le roi. Les gars, vous pouvez pas me lâcher comme ça. Il y en a qui sont, ouais, c'est nul, ouais. Non. Non, en fait, la vie, c'est comme ça. C'est comme cette épée. C'est long. Et moi, j'ai toujours dit, plus c'est long, plus c'est bon. D'accord? Donc, on reste concentrés tous ensemble. On s'abandonne pas. Et on va y arriver, d'accord? J'espère que le jeu en vaut la chandelle, hein. Parce qu'apparemment, à la fin, il se passe un truc de ouf. Je n'attends que ça. Les gars, l'épée, elle sort bientôt du cadre. Allez. Les gars, je transpire tellement. Je suis tellement concentré comme le lait. Ah, je vous promets, c'est une dinguerie. Ok, l'épée est bien. Les gars, c'est maintenant. Nous y est. Nous y est. Ok, c'est parti, c'est parti. Par contre l'épée elle fait combien de mètres de long? Parce que plus c'est long plus c'est bon, oui. Mais faut peut-être doser, non? Hein? Il s'agirait de doser peut-être. Elle fait 3 km. Elle est plus longue que mon avenir l'épée. À un moment donné, hein. Je pensais jamais autant galérer, je serai bientôt comme un chevalier de la table ronde. Je vais réussir à sortir l'épée de son rocher. Et tout ça, ça sera grâce à votre soutien. Je m'en rappellerai. Ma famille, mes amis, ma communauté, ils ont été là. Quand je serai enfin le roi. C'est moi Simba, c'est moi le roi. J'ai failli lâcher. Les gars, je suis tétanisé, je n'en peux plus. Il est au 40% no joke. Non, arrête. Arrête, tu mens. Arrêtez. Je suis au combien de pourcents, les gars? Dites la vérité. T'es à la moitié. Non, arrête. Tu mens.
Je peux pas être à la moitié là. 90%, ok, ok. Je suis à 90% apparemment. On a fait le plus dur. Vous avez pas un conseil pour rester cliqué? Les gars, j'ai une crampe. J'ai une crampe au doigt. Ah, j'ai une crampe, je fais comment? J'ai une crampe au doigt. Autocliqueur? C'est quoi ça? C'est quoi autocliqueur? À ma force mentale. Putain, faut que je vous montre que j'ai de la force mentale. Le troll, c'est que l'épée, en fait, tu peux jamais la sortir. Non, me dites pas que je me suis fait pranker par le jeu. Non, arrêtez. Non, non. Est-ce qu'elle sort ou pas un moment l'épée? Elle monte plus là. Les gars, l'épée elle est coincée. Non mais attendez, l'épée elle monte plus, je me suis fait arnaquer. Elle bouge ou pas? Non. Non. Non, j'ai... Non, mon doigt, putain, mon... Regardez ma main, comment elle est mouillée. Non. Non. Non, je sens plus... Les gars, je sens plus mon doigt. Les gars, je vais tellement être heureux. Quand on va arriver, quand l'épée elle va sortir, vous imaginez même pas. Ça va être le moment d'extase qu'on va tous avoir. Ça va être mémorable. On va s'en rappeler toute notre vie de ce moment. Le jour où l'épée est enfin sortie de sa pierre. Là, vous savez ce que c'est? C'est tous nos problèmes, tous nos barrages, tout ce qui nous empêche dans la vie d'avancer. C'est cette épée. Cette épée représente ça actuellement. Et quand elle va être s'enlever et qu'on va l'avoir dans notre main, on va tous être libérés. Comme un point en moins. Comme un... Comme si notre vie allait enfin pouvoir démarrer. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est beau. Allez, allez, on craque pas, on craque pas. C'est là où dans la tête, faut être le meilleur. Vous voyez? Dans la vie, vous savez cette image d'un mec qui est en train de miner, d'accord, dans un sous-sol. Et il cherche un trésor. Et en fait, il sait jamais à combien de mètres il est du trésor. La vie, c'est ça. On se bat tous les jours. Tous les jours, on donne le maximum, même s'il y a des hauts et des bas. Et parfois, on a l'impression qu'on va jamais y arriver. On a l'impression qu'on va jamais réussir. Alors qu'en fait, ça se trouve, on est à un jour de réussir. On est à une heure et on ne sait pas. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut jamais abandonner. Parce que c'est jamais terminé. Et cette épée est en train de nous le montrer. Que dans la vie, même quand on pense que tout est terminé, quand on pense que tout est fini et qu'on n'y arrivera jamais, il y a encore de l'espoir. Et tant qu'il y a de l'espoir, on peut y arriver, les gars. On peut le faire. On peut le faire. Allez. J'ai plus de bras. J'ai un torticolis. Mon doigt est en sang. Mais c'est pas grave. Parce que le jeu en vaut la chandelle. Les gars, je vais devenir le roi. Le king de YouTube. Et c'est cette épée qui va me décerner ce rôle. Allez. Allez, ça fait une demi-heure qu'on lève cette épée. Il est l'heure d'y arriver. Allez, allez, nous y est, nous y est. Allez, épée, lève-toi. Allez, une demi-heure de tryhard. On n'a pas abandonné. On s'est battu. Et c'est maintenant que cette épée va nous le rendre. Et qu'elle va sortir de ce rocher. J'ai failli faire de la merde. Ok, allez, allez, allez. Les gars, je fais un gauche-droite, j'ai perdu. Ah, c'est super chaud. Les gars, c'est hyper chaud. Regardez comment ça se rétrécit. Les gars, je fais un peu à gauche, un peu à droite, c'est fini. Hein. Elle tombe. Let's go! L'épée est sortie! Oh! Ok. Ok, qu'est-ce qui se passe? Merci pour les GG, les gars. Je suis le roi. Je suis le king. Wouh. Ok. Oh putain, je suis enfin le king. On a tellement charbonné. Ça va ou quoi, les gars? Mais ça va pas, sauve. Ça va ou quoi, les frérots? C'est moi le nouveau roi, acclamez-moi. Eh hey. Oh la dinguerie. Ça va ou quoi le peuple? Je suis le nouveau roi. Coucou. C'est moi le nouveau roi.
Comment vous allez, le peuple? Bonjour! Je suis le roi casqué, enchanté de faire votre connaissance. Les gars, ils sont trop... Regardez! Les gars, c'est le plus beau jour de ma vie. Non, mais je sais même pas quoi dire. Bonjour, ça va là-haut? Regardez comment il m'acclame. On va me remettre ma couronne. Ah, il y a le roi qui m'attend! Les gars, il y a le roi qui m'attend, il va me remettre la couronne. Ça va ou quoi, les gars? Oh, je suis trop heureux, regardez, il y a tout le peuple qui m'acclame. Ok. Nous y est. Ok, il y a le roi, il va faire quoi? Il va me donner la couronne? Attends, range cette épée. Ok, j'ai cru qu'il allait me trancher, j'ai eu peur. Qu'est-ce qui se passe? Non. Attends, non mais... Le... Quoi? Mais c'est pas comme ça que je voulais devenir roi! Mais je rêve où il a perdu la tête? Attends, et carrément, je me marie dans la foulée? Non mais les gars, je suis roi, mais je voulais pas découper la tête du roi. Je vais me marier. Oh, elle a l'air trop belle. Bon, elle a un peu une tête de cul, mais bon. Et... Oh, elle est trop kawaïnée. Elle s'appelle Saiko. Mais tu... Chérie, tu m'emmènes où? Bah, doucement, pas si vite. Faut pas brûler les étapes. Chérie. Salut le peuple, enchanté. Et... Oh, j'ai cru qu'on allait sauter pour mourir. Incroyable. Incroyable le jeu, les gars. Alors là, 1 milliard sur 10 le jeu. Magnifique.